Salut Gladys, est-ce que tu peux nous présenter la classe de piano au conservatoire à Valence et à Romans? Alors, on est six profs au total sur les deux sites, six profs de piano. À Valence, il y a donc quatre enseignants piano et sur Romans, à la Cité de la musique, on est deux, ma collègue Gwenaëlle Michel et moi-même, Gladys Wild, à enseigner le piano. Donc, on accueille les élèves à partir de 6-7 ans. En général, ils arrivent des classes d'éveil, ici à Romans-sur-Isère, donc avec Edwige. On a l'habitude de prendre les débutants de façon générale à 6 ou 7 ans, mais ça nous arrive bien sûr régulièrement de prendre des élèves qui soient plus âgés, des adolescents. C'est quand même priorité aux enfants, mais si on a la place, les adultes sont également les bienvenus. Les classes de piano sont quand même assez demandées, donc c'est vrai qu'il faut toujours s'inscrire et après on avise en fonction des années et des demandes. On a une rencontre au début de l'année pour vous écouter si vous êtes inscrit donc sur la liste pour demander une place. Donc nous, ça nous permet de vous rencontrer. Si vous savez déjà jouer un petit morceau, c'est l'occasion de l'écouter. Et puis vraiment, si vous n'êtes pas débutant, dans ce cas, c'est un test d'entrée ou dans ce cas, vraiment, vous avez préparé un morceau qu'on écoute de façon voilà, collective avec l'ensemble des enseignants. Et dans ce cas, c'est pour entrer dans la classe de piano, mais déjà à des niveaux un petit peu plus avancés dans les cycles, donc peut-être fin de premier cycle ou éventuellement deuxième cycle. Et là, souvent, c'est justement des jeunes, enfin des enfants, des jeunes ou des adultes qui sont, qui ont rarement 6-7 ans puisqu'ils ne sont pas débutants. Et où commence et où s'arrête le répertoire que vous faites en cours, En piano. en piano? Alors, on est ciblé classe de piano classique. Bon, ça veut tout et rien dire. Je crois que ça veut surtout dire qu'on est là pour apprendre les bases de façon solide. Donc ces bases, on les trouve dans le répertoire du début 18e jusqu'au 21e siècle, donc c'est-à-dire la période actuelle. Et donc ça fait un répertoire très très large parce que sur ces siècles-là, en piano, il y a énormément de choses qui ont été écrites. On a des pièces pédagogiques et après, quand on avance en niveau, bah, on va toucher à des compositeurs qui sont connus, Mozart, Chopin, Bach, etc. Donc il y a plein de choses. Après, ça c'est pour ce qui est des pièces vraiment du cursus à proprement parler. Ensuite, dans la classe, en tous les cas avec moi, on peut être amené à faire d'autres choses, des chansons, s'accompagner en chantant. On peut faire des pièces de musique actuelle et en fait, ce qui donne envie à l'élève, puisque c'est quand même bien ça qui est important, c'est de jouer les choses qui nous motivent. Alors justement, on va parler un petit peu d'un projet qui a eu lieu l'année dernière sur un répertoire un peu plus contemporain, sur les musiques minimalistes. Alors comment est né ce projet et avec qui tu le fais? Donc c'est un projet qui finalement nous a même porté 2 ans, puisqu'on a commencé à travailler dessus en 2019. Oui, c'est ça. On a décidé avec Baptiste, avec Aurélien, prof de FM, avec les classes de danse, de partir de ce répertoire qui est, comment dire, très fort en fait, très fort parce qu'il peut mener à plein de choses, qui est le répertoire de la musique minimaliste, et puis au sens plus large de la musique répétitive. Et on a vu des œuvres de Philip Glass, de Steve Reich, on a travaillé particulièrement INSI. Et l'idée c'était d'être vraiment sur scène avec plusieurs pianos, puisque là on est dans la classe de piano, mais bon en fait il y avait les classes de FM qui venaient jouer avec leurs instruments, donc il y avait tout un petit orchestre sur scène. Mais on a principalement travaillé INSI à plusieurs pianos,
avec musique électronique également. Et les danseurs devaient, alors la restitution a été bon, bien modifiée par rapport à ce qu'on avait prévu au début, mais devaient danser sur les pièces dans notre auditorium à Romans-sur-Isère et donc mettre en espace cette musique minimaliste qui se prête particulièrement à la danse et au mouvement de par son côté répétitif, bien sûr. Super. Et les donc les pendant ce temps, les classes de FM ont aussi travaillé un morceau de Steve Reich, je crois. Oui, c'est ça. Les classes de FM ont préparé City Life, non? City Life. C'était ça. Oui. Voilà. On va écouter un extrait Et tout à l'heure et ainsi qu'une pièce de Philip Glass que tu as préparée avec une élève. oui, on avait fait une étude de Glass, de Philip Glass, qui c'est pas les pièces les plus faciles. On avait fait aussi des métamorphoses. Et les classes de FM ont travaillé City Life en reprenant tout à l'oreille, c'était ça l'idée d'Aurélien, donc c'était aussi tout un travail de repiquage très intéressant, enfin une partie de City Life, puisque c'est quand même une grosse œuvre, donc c'était voilà, une première partie. Okay. Et on a oublié de parler des classes de Charles qui ont, eux, en composition, travaillé sur cette thématique et ont créé des morceaux. Voilà, je te remercie. Avec plaisir. On passe aux travaux pratiques, on va écouter ça un petit peu plus en détail.